Ladies and gentlemen, il est 14h02, je suis grave à la bourre. Comment ça va tout le monde sur le campus de la Solitaire Academy? Vous avez passé une bonne et une agréable journée? Bien, ou bien. Rentrez. Hey. Bon alors, comment ça va tout le monde? Bien ou bien? Je voulais lancer il y a à peu près une heure, mais il y avait trop de trucs à faire. Trop de trucs à faire pour passer une bonne journée en toute sérénité sur le campus de la Solitaire Academy à l'occasion de ces 6e éditions. Des solitaires. Remember it. Il y a trop de gens, de toute façon, 128 participants, 128 équipes participantes, 256 participants, ça va être absolument monstrueux. On a pris des maps extrêmement compétitives, ok? Des maps où on veut vraiment voir toute l'essence de la Pro League. Non, je déconne, on a pris House, Fortress et Yacht. Attention à ça parce qu'on se donne et on peut tirer à travers, normalement c'est toujours le cas en tout cas. On a l'info et on peut tirer à travers et ce sera le premier kill. Attention derrière, peut-être la revenge. Elle va pas arriver la revenge puisque ça fait déjà 2 kills de Lolindir sur la Zofia LMG. Ça s'est inscrit en 9h, c'était plein, le tournoi des soldats duels, donc ça, vous avez été absolument... Ok, le fait de pusher au niveau de la control room, je trouvais ça pas con du tout. Mais là, on a pas vraiment de wall. Oh, 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 on vient de prendre une néo. Oh, lolo. La moins 2 de la part de Klega qui prend ses responsabilités directement. Parfait. Petit timing. Très, très bien joué. Les petites décales bien travaillées de la part de Klega. C'est propre. Oh, ça aussi, c'est propre. Son sang-froid, si je puis dire. Derrière, ça va pusher. Ça va jouer très rapidement. Une fois de plus, peut-être un petit peu trop rapidement de la part de l'attaque. Et non, derrière, ça fait le kill. Felo qui, en plus, prend des dégâts. Et derrière, attention, le 1v1. Ubisoft. Allez, c'est peut-être la fin, là, malheureusement, pour Klega. Non, c'est pas la fin pour Klega. Il dit non. Il prend ses responsabilités, le petit, alors que c'est... C'est pas un nouvel opérateur qui permet de... C'est Castle, mais en... Oh, et on se fait complètement surprendre par une Mira roaming. Et derrière, attention, 1-1. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Va falloir mettre des petites têtes. Les grenades vont être cookées et balancées sur le côté, malheureusement. Je pense qu'on a entendu la goupille. Bah, pas vraiment. Il lui restait que 20 HP, de toute façon, à la Mira. Et attention, attention. Disait, il peut le faire. Surtout si le Kaïd décide malheureusement de prendre une ligne. Et on va venir le jouer. Et le pick advantage derrière qui passe pour Dizet. L'insertion du côté de la gym. Attention, le premier échange de feu là-bas. Oh, magnifique de la part de Clutch là. Cette petite ligne bien travaillée. On a le temps. On n'est pas obligé de venir ici. C'est pas con parce qu'au fait, on prend la rota. On le sait. On s'est dit s'il est dans le garage, il est un peu bloqué là-bas. Pas bête de la part de l'Ibana. Attention, Ibana quand même. Bah oui, forcément, le mur il est cassé. Faut le jouer à deux. Faut le jouer à deux, ne faites pas les idiots. Evan, qui se fait coucher finalement. Mais il a fait peur quand même. Attention, ça peut être intéressant. Oh! Bah oui, ça peut être intéressant si on a l'information de ce qui se passait de l'autre côté. Ça aurait pu être cool. Et on se fait totalement prendre là par Cheesy, la petite ligne de Bex. Alors, on vient jouer là, malheureusement, sur la ligne. Mais il y avait une autre ligne qui avait été créée. On va jouer au niveau du cheminée. Oh, la tête de la part de Bex. Magnifique. 1v1. 1v1, il peut le faire. What? J'ai cru qu'il y avait un trade. Et au niveau en sound. Et derrière, on se fait bait. Malheureusement, on n'arrive pas à proc pour la hache. Et Lolo5 qui arrive à faire le kill. Bex va mettre énormément de dégâts sur la Zofia. Le petit punch hole. Va-t-il connecter? Non. Derrière, il va juste connecter avec l'œil gauche. Voilà ce qui vient se passer, le double kill de la part de la Ying. Très bien joué de la part des deux joueurs. Attention derrière, Lolo5 qui prend énormément de dégâts sur la grande autoroute. Et là, oh, la tête qui passe pas. Derrière, Lolo5 qui reprend énormément de dégâts, sûrement sur une impact grenade envoyée par Jax. Et on va relocaliser. Les deux attaquants sont au même endroit, on rentre directement, on prend les responsabilités pour aller jouer directement le Cheesy. Et derrière, la revenge de la part de Bex, extrêmement bien joué. De la part de l'attaque. Attention. Cheesy. Il a entendu.
La petite décale. Oh, elle était bien jouée là, bien pressentie de la part de, la Valkyrie. Il va pas être greedy. Il va se relocaliser. Il a fait un petit peu le, nécessaire. Oh, mais c'était extrêmement bien joué de la part des attaquants de cette... repositionné ici et derrière. On va prendre ses responsabilités de la part du Sledge, mais ça ne va pas passer. Laissant Cheesy très très loin en HP et laissant surtout son teammate en clutch qui n'arrivera pas. Très bien joué. Et il faut de la com, il faut des ministres ratés derrière. Attention quand même, le skill ne fait pas tout, mais de temps en temps ça met des grosses têtes quand même. Hein. Jax derrière. En insertion. Récupère l'otage et se casse. En mode bas les couilles. Ok, j'ai rien dit, y'a pas besoin de strat en fait, on s'en bat les couilles. On arrive, on récupère le paquet, on s'arrache. Cheesy derrière est en train de s'affairer au niveau du pool. Oh, et derrière le pré-shot énorme de la part du castle. Jax, une fois de plus en clutch. 16 secondes. Ça va être compliqué, on push. Et là, du coup, y'a personne. La tête énorme de la part de Jax. Le double kill peut-être. Non. Va-t-il le faire? What? Il prend l'otage. Non. What? Jax. Jax, pas comme ça, Jax. Jax se barre avec l'otage. Jax, il s'en bat les couilles. Viens, Jax, il a une porte. Il a une porte devant lui, Jax. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Jax. 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 Jax, reviens. Il sait pas où aller. Très, très bien joué. GG, les boys. Oh, la petite décale de la part de Elvens. Et ça rentre et ça rentre, mais on se trouve. Mais non, mais là, on se trouve dans une situation absolument dégueulasse. Baby Shark au niveau de la douche. Et on va travailler sur l'ouverture d'X Keros. Mais là, on est un peu... un peu naïf, là. Un peu naïf, quand même, là. Il y a des chances que vous... il va falloir... Oh, elle est bien envoyée. Oh, elle est bien envoyée, celle-là. Très bien envoyée, de la grenade. D'ailleurs, on a l'information sonore, visiblement, que quelqu'un est en train de douiller. Et ça va jouer de l'autre côté, j'ai l'impression. Ça va jouer de l'autre côté et ça perd. On perd son duel. On perd son duel totalement. Ouais, très bien joué de la part de Ivana. La salle décale est parfaite dans cette attaque. Et derrière, on se fait une fois de plus sécher. On se fait surprendre. On avait droné, mais on avait complètement oublié visiblement qu'il y avait un lésion au niveau du locker. Et derrière, en plus, on a l'information d'où est-ce qu'il se trouve le sledge de cette équipe. C'est compliqué pour lui. Allez, on va se défaire de la Mélusie. On va rentrer. On n'a pas vu le pied au fond. Il n'a pas vu le pied au fond. Il n'a pas vu la tête. Il n'a rien vu. Il n'a pas vu. Allez, là, on voit, en revanche. Les petits pré-shots. Oh, c'est bien joué de la part de... Oh, le double kill de la part du Russe. Très, très bien joué sur la décale de la part de Elevens. Sans forcément poser le shield. Ah, c'est bien joué, là, le bait derrière. On se retourne. Et on va pouvoir jouer son 1v1 tranquillement. Pas du tout. Pas du tout. On avait entendu la Osa qui arrivait. Et on s'est dit ok, shield. Du coup, petit impact grenade. Pokémon, ciao. Pendant ces salty duels. Allez, Warden, attention, Warden. Warden, il va pouvoir décaler au fond. Et la grenade. Oh, la Pokéball de la part de la Smoo. Bah ouais, parce que Warden, il a pas fait gaffe que de l'autre côté, on était aussi en train de prendre une information avec un autre drôle. Attention, on pourrait avoir un timing là-dessus. On pourrait avoir un Non, non, on est entendu. On est attendu aussi. Mais la kill qui va passer quand même, néanmoins, de la part de Kernel, perdant quand même pas mal de HP dans le, trade. Et on va récupérer l'otage et on va revenir. Non, on va pas revenir. On va se barrer totalement avec l'otage. Mais non, dit Kernel. Non. Touche pas à mon otage. Il a spray tout le monde. Il bute le sauveur de l'otage. Il bute l'otage. Il bute le mur qui est derrière, qui a rien demandé. Et derrière, Baby Shark. Il va venir faire échec parce qu'il a pas de drone. Il va essayer de mettre une petite tête. Le one tap qui passe de la part de Baby Shark, magnifique, parce qu'on ne l'avait pas entendu arriver. Et derrière, c'est fini. Bam. En quelques secondes, on a resserré comme ça l'étau autour des deux défenseurs russes. Très bien joué de la part de l'équipe. Ah, et on se fait surprendre là. On se fait totalement surprendre. Kneki qui se prend quand même énormément de dégâts. Mais derrière, on laisse Xaxa sur son... Oh, oh, attention. Attention, ils sont tous les deux low. Pas besoin de trop danser comme ça. Alors forcément, il a peur qu'on prenne l'otage, mais il... Eh ouais, 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 il a peur qu'on prenne l'otage. Il est obligé d'y aller. Il est obligé d'y aller. Oh, et il fait le mauvais choix. Il fait le mauvais choix. Et on se barre avec l'otage. Il fait le mauvais choix. Est-ce qu'il va pouvoir l'arrêter? Est-ce qu'il va pouvoir l'arrêter? Ça va être compliqué. Ils sont derrière. Il est à l'extérieur. Technique essaie de le...
Il est qui? Il peut pas savoir où il est. Il va sauter à l'extérieur, il va passer devant lui. Non, si, non, oui, non. Et derrière, il est... il peut pas jouer. Ah. Ah. En voilà un, hein, justement, qui est enlevé. La petite ligne, oh, de la part de Melusi qui va perdre malheureusement son duel là-dessus. Il ne reste plus que JFK. En grande difficulté, JFK, et ça ne passera pas. Tire celle-là, Pokémon. Et après, on crasse rien du tout. Derrière, pourquoi pas se défaire de tout. Neki qui va faire le premier kill. Neki qui va faire le deuxième kill derrière. Derrière, je rentre sur le reload de la part de Melusi. Très bien joué. Oh, la décale. Baby Shark qui prend de lourds damage. Et derrière, Xaxa qui va même faire le kill sur la Smoo. Et derrière, Neki qui va terminer ça. Et derrière, attention à Neki qui va ouvrir le bal. Et la petite ligne tout au fond. Oh, la tête énorme de la part de Baby Shark. Il pense qu'il est à droite, il pense qu'il est à droite. Allez, Baby. Let's go. Oh, oh. What? Il arrivait pas à se défaire de ça, il s'est défait. What the fuck? Xaxa sur son EBR, Neki qui se fait complètement défoncer. Baby Shark, le pré-shot qui ne connectera pas sur une deuxième personne et il va décaler. Attention, on a l'info? Est-ce qu'on a l'info? Est-ce qu'on a l'info qu'il est juste à droite? Et on va cooker la grenade. Mais attention, on va se décaler sur une ligne, c'est un petit peu compliqué. Et ça va laisser tout le loisir à Xaxa de venir se replacer tout simplement. En revanche, il ne le sait pas, peut-être qu'il y a un trou de rota. Mais les lignes sont tellement horribles. Il peut pas faire grand-chose. Est-ce que la flash va aider? Peut-être. Ça va le faire perdre sa ligne. Très bien joué de la part de la Smoo. Oh, ça part dans tous les sens. Et c'est la Smoo qui l'emporte. C'était le duel le plus dégueulasse de l'histoire du duel. Mais on s'en fout. Ça passe. Attention quand même. Attention. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un défenseur sur le site. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un défenseur sur le site. On essaie de trigger cette Melusi qui va nous embêter forcément. Et on va la trigger maintenant. Et c'est intelligent là de la part de... Peut-être d'en dessous, est-ce qu'on joue par en dessous? Mais ouais, c'est super intelligent de la part de la Smoo. Mais ils ont travaillé des strats, les mecs. Ça joue sur la verticalité, ça fait 8-6. La grenade au-dessus qui sert à nada. Il y a Sun Pair. Si, il y a peut-être quelqu'un au final. Oh, le pré-shot de la part de... Enfin, le kit de la part de Xaxa. Ça push. On y va directement et on a pris l'info. Alors, on est en train de prendre toutes les informations qu'on est en train de donner à son collègue, forcément. Ah, la décale de la part de Xaxa. Et là, ça passera pas. Et on push à deux. Unstoppable, les deux. Bien joué, ça, de la part de Neki, quand même, de aller s'allonger ici. On prend énormément de dégâts. Peut-être le double kill de la part de la Smoo. La Smoo prend énormément de dégâts sur sa knock. Et on va profiter pour dropper sur site au moment où il y a la grenade à proquer. On va prendre l'otage. On va prendre l'otage du côté de la Smoo. On est intelligent du côté de la Smoo. Mais attention derrière parce qu'on pourrait sortir. La Smoo, il est intelligent. La Smoo Beast est quand même intercepté par Neki qui va sortir sur le côté. Et l'otage. L'otage est à récupérer. Mais attention derrière. C'est compliqué. Est-ce qu'il peut l'emmener? Aïe 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 aïe. Peut-il le faire? Peut-il le faire? D'ailleurs, on lui court derrière. C'est extrêmement compliqué. Peut-il le faire? Il doit partir. Il doit casser ça. Derrière, à droite, gauche. C'est extrêmement. Ah non. Allez, le C4 qui va rien donner parce qu'on l'a entendu. On a juste fait le petit bruit du scratch. Oh, le C4 juste à sa droite. Oh, bien joué de la part de Hip. Très très bien joué. Derrière la petite décale. Oh, what the fucking fuck, man. Oh là là, magnifique. Ouais, bien joué de la part de Suzy qui s'était fait oublier au niveau de cet escalier main. Ouais, derrière, attention. On va essayer de se replacer pour aller jouer avec son teammate. On a l'information, on vient de pinguer. Le bug, l'ouverture de la part du bug. Attention quand même à ça. Attention à ça. Bien joué de la part d'Icy. C'est extrêmement compliqué pour Jax. Il s'attend à ce que quelqu'un descende au niveau de l'escalier alors que pas du tout. Non, on replace le... Oh, c'est bien ça. Allez, l'UMP, ça fait énormément de dégâts. Il le sait derrière.
Il l'a fait voir tout à l'heure, pas besoin forcément de mettre des têtes, ça fait beaucoup de dégâts. Et on a l'info. Et on a l'info. Alors les deux ont l'info malheureusement. On les deux ont l'info, c'était extrêmement bien joué de sa part. Et on sait que quelqu'un est rentré visiblement. On sait que quelqu'un est rentré. Ah ici, le pré-shot qui va connecter avec Cheesy. Mais pas assez, en revanche là ça va connecter parfaitement sur Jax. Le turn, l'impact grenade qui va faire extrêmement mal. Cheesy avec 2 HP. Le pré-shot à droite qui connectera sur que dalle. Là, c'était très bien envoyé, mais malheureusement, ça ne passera pas. On se replace au-dessus. C'est très bien joué de la part de la Mélusie. Et tu manges quoi? Allez, go. Défoncez le... Ah bah non, c'est une masse à les Russes. C'est bien joué de la part de... Allez, Jax. Vas-y, go Jax. Go Jax. 13 secondes. 12 secondes, Jax. Juste seconde. La tête à gauche. Non. Attention. Attention, Jax. Attention, Jax. Jax qui se fait totalement intercepter là-dessus. Il faut mettre du kill. Ça, c'est propre, ça, de la part de Cheesy. Il peut le faire maintenant. Prendre le temps de réécouter. On se défait d'un Wamai totalement inutile. Oh, pas si inutile que ça au final. La flash proc. Et on entend qu'il est à gauche visiblement. On va balancer double flash et on va se barrer avec le, avec l'otage. Ça va être compliqué pour Cheesy. Allez, faut y aller. Faut y aller, Cheesy. Faut y aller, Cheesy. Cheesy. Très bien joué de la part des joueurs biélorusses. On verrouille le catwalk, on a Neki qui reste sur site. Allez, attention, déjà, malheureusement, on va pas avoir le kill. L'agression de la part de Xaza à l'extérieur, comme on peut l'imaginer, ou en tout cas vers l'extérieur. On va essayer de rota. Est-ce qu'on va pouvoir surprendre? Ouais, clairement qu'on va pouvoir surprendre, la preuve. Et là derrière, on l'a vu rota. Est-ce qu'il l'a vu tomber par la trappe ou est-ce qu'il l'a vu tomber au niveau de l'escalier? Ouais, je pense que oui. La petite flash va partir. C'est intelligent ça. C'est intelligent ça. Allez, 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 allez. Derrière, attention, parce que malheureusement, on va jouer avec le pistol puisqu'on joue l'otage. Et Neki, pas stupide du tout. Là, on se retrouve vraiment dans une position extrêmement désagréable à jouer pour l'attaquant, pour Jax. C'est une question? Bah, c'est vrai qu'il aurait pu pousser en frontal, quoi. Mais bon, c'est quand même compliqué. Attention derrière, Cheesy! On va pas le voir, le kill, mais on a vu qu'il a perdu quelques HP. Et derrière, on est en 1v2. Un beau 1v2. Attention à pas trop se précipiter. Attention à pas trop se précipiter. Non, on se précipite pas. On a pris les infos, etc. Et on l'entend toujours tirer au MP5. Allez, Jax. Tellement en forme, Jax, sur cette finale. Tellement en forme, Jax, sur cette finale. Le premier kill. Et le second, le pré-shot derrière. On pensait que la tête n'était pas du tout là. Ça va pas connecter. Allez, derrière, il faut faire quelque chose. Là, il faut faire quelque chose. Voilà, par exemple, mettre une grosse tête comme ça, Jax. La pack grenade qui va faire un peu de dégâts. Pas du tout. Et on va se repositionner. On va se repositionner. Visiblement, on n'avait pas du tout pensé à la possibilité qu'il puisse pusher là. Nous, on l'a entendu en tout cas. Derrière, on fait une insertion. On fait une insertion, mais attention. Attention, attention, là. Attention. Et Jax, derrière, il s'en bat les couilles. Jax, il s'en bat les couilles. Premier kill, bam. Et le pré-shot derrière, à droite, à gauche. Easy peasy. Cheesy prend quelques dégâts déjà sur ce premier trade. Et on va venir le jouer, on va venir le jouer. On va pas le respecter, on va pas le respecter. Mais Cheesy a eu le temps de reload. Et Cheesy derrière, il push. Il met quelques dégâts, on va le pusher à deux. On va le jouer à deux, on va le jouer à deux. Et ça va passer. 45 secondes. Et Cheesy, Cheesy qui est dans une position relativement favorable. Oula, relativement favorable, nom de Dieu. Et il le fera pas, double kill de la part de Cheesy. 6 à 6, overtime. On a les infos. Quelqu'un a fait du bruit, on a les infos. On a les infos, oh Cheesy, le kill. Neki. Neki peut-il le faire? Il ne prend pas de dégâts ici. On rotate. Il l'a compris. On vient jouer de deux côtés. Il va devoir mettre le plus gros turn de sa vie s'il doit le mettre. Attention à ça et ça n'arrivera pas. Le petit pick advantage sur la décale. Jax prend ses responsabilités. Jax n'a pas le droit à l'erreur. Il lui reste 10 HP. Ça
Ça va être compliqué, on va balancer la smoke, mais Cheesy, personne ne l'a entendu ici. Cheesy, personne ne l'a entendu. Cheesy, il est intelligent, mais c'est l'otage qui le fait tomber. C'est pas l'attaquant qui le fait tomber, c'est l'otage qui le fait tomber. Ça va être compliqué pour lui, c'est... ils ont tout à faire du coup. Ils doivent ramener les otages et ils ne le feront pas. C'est fini, 8 à 7. Les Russes l'emportent. La France terminera deuxième ce soir. G fucking G.